Et coucou les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance qui n'était pas prévue, mais je vais la faire parce que je dois avoir un message à vous faire passer. Je viens à l'instant de faire la présentation du colis de la boutique Mataes. Et dedans, j'ai reçu le tarot des sorcières. Voilà, hein, pour ceux qui aiment avoir bien des explications sur le tarot, je peux vous dire que là, vous allez vous faire plaisir. En plus, il est en couleur. Le livre est magnifique, il est immense. Enfin, vous avez tout, tout, tout. Voilà la taille de la boîte, hein, d'ailleurs. Pour vous donner une petite idée, comparé à un autre oracle. Voilà. Donc, le tarot des sorcières. Et j'ai reçu le sens de la vie pour tout ce qui est votre mission ici sur Terre, votre mission de vie, votre mission d'âme. Et du coup, eh ben, j'ai eu envie de lancer. Alors, j'ai pas fait encore les reviews, du coup, parce qu'en fait, j'ai eu envie de vous faire une guidance directement. Donc, j'ai vite fait purifier ces deux jeux. Et on y va. Quel message vous avez à recevoir? Quel message pour ma communauté? On est là, on vous dit ici de vous relier quand même beaucoup à la Terre. Il y a quand même quelque chose à faire au niveau de vous, au niveau de votre ancrage, au niveau de nouvelles choses à mettre en place. Vous avez envie de créer certainement de nouveaux projets. Ouais, voilà. Vous avez envie de créer certainement de nouveaux projets. Nouveaux projets, vous êtes tout excité. Alors, je vous vois un peu retrouver votre âme d'enfant en vous disant waouh, allez, je vais vers quelque chose. On a la carte de la justice ici. Alors, la carte de la justice ici, elle est là pour te dire qu'il faut trouver ton équilibre, d'accord? Mais pour trouver ton équilibre, il va falloir trancher dans le vif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, il va falloir oser prendre une décision pour ton bien-être. Et je pense que justement, c'est ce que tu es en train de faire ici. Tu as envie de mettre quelque chose en pratique dans la matière, hein, ici en tant qu'humain, d'accord? Tu as envie de mettre quelque chose en place, mais tu n'oses pas parce que tu te dis que tu ne pourras pas y arriver ou que... Et là, on te dit que, ouais, ok, regarde ce que tu as en plus. L'as de coupe. L'as de coupe, ici, il est là pour te parler vraiment de la réussite de ton plein potentiel, d'accord? Ton plein potentiel, comment dire? Et ça va tomber. Et ton plein potentiel émotionnel, d'accord? Mais pas que, les amis. Pas que, parce qu'en fait, ici, on t'invite vraiment à travailler sur ce qui t'est à apporter dans la matière, dans ce monde, d'accord? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? On va le voir tout à l'heure avec l'oracle, le sens de la vie. Ok. Il y a vraiment quelque chose, tu vas trancher, tu vas mettre le commencement vraiment à quelque chose, là, un début qui arrive. Parce que là, tu étais trop dans le flou, d'accord? Tu étais trop dans le flou et tu étais trop dans la bataille surtout, d'accord? Tu veux sortir de tout ça. Toi, tu as besoin de te réaliser. En tout cas, la personne qui regarde, ça ne s'adressera peut-être pas à tout le monde, hein, mais toi, tu as envie de vibrer. Tu as envie de vibrer haut et fort, d'accord? Pas pour avoir du pouvoir, etc., etc. Non, 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 on n'en est pas là pour toi. C'est juste que les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, ici, c'est des gens qui ont envie de se réaliser dans leur plein potentiel, c'est-à-dire d'être eux.
Alors, il va y avoir certainement des conflits pour y arriver avec certaines personnes. C'est des personnes qui vont te mettre dans le flou, d'accord? Il y a des gens qui vont se mettre un petit peu au milieu et qui vont te dire « Ah non, mais tu ne vas pas faire ça. » Eh bien, ici, on te dit « Regarde. » On te dit de voir les choses autrement. Mets-toi dans cette position, d'accord? Tu vas te sentir bloqué, du coup. Du coup, tu vas te sentir bloqué, tu vas te sentir pris au piège un petit peu, hein, parce que peut-être que c'est ta famille, ton mari, ta femme qui te dit « Non, mais n'importe quoi, tu ne vas pas plaquer ton super boulot alimentaire où tu gagnes 4000 euros pour aller faire de la peinture. » Je te donne un exemple, hein, tu vois. Ben, pourquoi pas? Donc, en fait, il faut juste que tu te mettes à l'envers et que tu essayes de voir les choses sous un nouvel angle. Et une fois que tu auras fait ça, eh ben, tu vas reprendre ton plein pouvoir. Tu vas reprendre ton plein pouvoir ici. Alors, il se peut, je ne veux pas vous dire de bêtises, attendez, hop là. Il se peut que ici, ce soit adressé, alors encore plus, ce message peut parler à tout le monde, enfin pas à tout le monde, mais... sans parler de signes astro, d'accord? Mais en tout cas, si tu es taureau, capricorne ou vierge, ou ascendant taureau, capricorne, vierge, ou lunaire taureau, capricorne, vierge, il se peut que ce soit toi. Ici, on te dit que tu as envie de reprendre ton plein pouvoir. Tu as envie de mettre les choses, de les manifester, d'accord? Tu as envie d'abondance financière, d'accord? Tu as envie de te réaliser sous tous les angles. Allez. Ouais, on te voit ici. Tu es tranquille. Tu nettoies tranquillement tes petits pentacles là. Hein, tu les nettoies. Tu en prends soin. Tu les fais briller. Et tu te dis que ça y est. Ça y est. L'aboutissement, il n'est pas loin pour toi. Il n'est pas loin pour toi. Alors, il se peut que ce soit quelque chose qui a un rapport avec tes émotions aussi, d'accord? Des émotions qui t'ont fait beaucoup, beaucoup souffrir. C'est peut-être ces émotions aussi là qui t'ont mis dans le trouble à ce moment-là, d'accord? Là, tu es en pleine réflexion pour y arriver. Ta persévérance, personne ne va te l'enlever, hein. Tu restes focus sur ce que tu as envie, d'accord? Et ouais, ok. Et tu y vas. Tu y vas. Là, tu as pris la décision. Tu vas enclencher les choses. Alors, tu vas enclencher les choses. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui arrive vers toi. Si ça vous parle au niveau sentimental aussi, il y a quelqu'un qui peut arriver vers toi, d'accord? Quelqu'un d'un signe d'eau, certainement, d'ailleurs. C'est-à-dire cancer, scorpion, cancer et poisson. Alors, ça peut être quelqu'un d'autre, bien sûr, comme d'habitude. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein, si votre autre, c'est un taureau qui arrive, vous prenez, d'accord? Voilà. Vous ne restez pas bloqué par rapport à... On ne se met pas de blocage, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de tout ça. Sur mes tirages, il n'y a pas. Et en fait, cette personne, elle vient peut-être pour soigner un petit peu ce cœur blessé. Alors, il se peut aussi que ce soit au niveau d'un couple. Ce tirage soit au niveau d'un couple, vous avez envie d'aller voir autre chose, vous avez envie... de vous lancer dans une nouvelle situation. Il y a la réussite ici, avec l'as de coupe, hein, au niveau émotionnel. Mais ouais, vous allez passer par des phases un petit peu compliquées. Vous n'allez pas trop savoir. Il va falloir vous battre peut-être. Mais il y a la justice qui va trancher correctement. D'accord? Et là, vous êtes en train de mettre les choses en place. Et vous commencez à comprendre, si c'est au niveau sentimental, que les choses vont se mettre en place tranquillement, mais sûrement. Pourquoi? Parce que tu as le magicien ici. Tu as les capacités de tout changer dans ta vie. Tu as tous les outils qu'il te faut. Tu n'as rien envie à personne, d'accord? Ouais. Et on a le pape. Et on a le pape. Le pape, il nous parle d'une union. Il peut nous parler d'un mariage.
Il peut nous parler de conscience divine, il peut nous parler de foi, il peut nous parler de spiritualité, d'accord? En tout cas, tu es soutenu. Quand tu as le pape là, c'est que tu es soutenu dans tout ce que tu es en train de mettre en place. Tu as le magicien, le pape. En fait, on te dit ici qu'il y a la source qui va intervenir afin de te faire modifier les choses, afin de pouvoir arriver à ce que tu souhaites. C'est-à-dire la réussite, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Peu importe, ce tirage peut parler des deux, d'accord? Non, il y en a trop. Et ouais, elles sont neuves, elles collent encore un petit peu. Alors. Voilà vers quoi tu vas, vers beaucoup plus de stabilité, d'accord? Vers beaucoup plus quelque chose de passionnel, d'accord? Quelque chose de très spirituel. On est dans du bâton, dans le feu, d'accord? Et avec un 4, c'est l'équilibre, d'accord? C'est-à-dire que tu vas vers la construction de quelque chose de très équilibré. Et si c'est cette union, c'est l'union qui va t'apporter l'équilibre qu'il te fallait dans cette vie. Une union, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être tout ce que tu veux. Pour cela, on te dit d'écouter ton intuition, d'accord? Ce reflet. On te dit ici d'écouter ton intuition avec la grande prêtresse. Écoute ton cœur, écoute ton intuition. Tu vas avoir des messages, tu vas avoir des messages, des compréhensions. Il y a des choses qui bougent pour toi. Hein. Ok. Alors, on va voir au niveau de votre mission d'âme. Alors, il se peut que ce tirage parle bien sûr aussi pour des liens sacrés. Vous l'adaptez avec votre situation. Ok. Alors, justement, je veux voir votre mission d'âme. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, les amis? Qu'est-ce que vous allez accomplir? Voilà. Bon, je pense que ça va concerner beaucoup de liens flammes jumelles. On en revient toujours à ça. On te dit ici que tu es lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Alors, c'est valable pour tout le monde. D'accord? Pour tous ceux qui se reconnaîtront dans cette guidance. Pourquoi je vous dis que pour les liens sacrés, c'est encore plus d'importance? Parce que les liens sacrés, ce n'est pas juste une histoire d'amour. Ils sont là, ces liens sacrés, pour apporter leur aide à l'univers, pour transmuter beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de douceur, essayer d'ouvrir les consciences, d'accord? Et en fait, ici, ce message, il est juste énorme. En conclusion de ce tirage qu'on vient d'avoir, je pense qu'en tout cas, tu sais de qui je parle. Si c'est au niveau sentimental, la personne qui arrive à toi, c'est la personne élue de ton cœur. Peu importe lien sacré ou pas, on s'en fout, hein, clairement. Il y a une très très belle réussite. On a la réussite. On a la réussite en début, on a la réussite en fin. D'accord? Juste là, au milieu, on t'explique un petit peu ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu vas avoir des moments de flou, des moments où tu vas plus savoir, des moments où tu vas te bagarrer avec toi-même et avec d'autres personnes, des moments où tu vas avoir besoin d'introspection et de te plonger la tête en bas pour voir sous un autre angle les choses. Mais qu'en fait, tu vas reprendre le pouvoir afin de mettre les choses en place tranquillement. C'est quelque chose qui va être souffrant. Peut-être que tu vas quitter une vie maritale, déjà quelqu'un, un couple dans lequel tu es. En tout cas, c'est possible que ce soit souffrant, mais on te dit que c'est quelque chose qui va te transformer, c'est quelque chose qui va te transmuter, c'est quelque chose qui t'est envoyé par là-haut, c'est quelque chose qui est protégé, d'accord? C'est quelque chose qui va t'apporter la stabilité et ça, il n'y a aucun doute. Laisse-toi guider par ton intuition. Si c'est professionnel, c'est pareil, ta mission d'âme ici. Si tu as envie de devenir un enseignant de lumière ou peu importe, de quoi que tu fasses et que tu veuilles apporter ton aide aux autres, on te dit oui, ose quitter ce boulot matériel,
qui te sert juste au niveau alimentaire, s'il ne te fait plus vibrer, parce qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique qui t'attend, quelque chose qui va ouvrir ton cœur, quelque chose qui arrive vite, d'accord? Quelque chose pareil qui va te transmuter, qui va t'apporter l'équilibre, pas que émotionnel, l'équilibre financier aussi, on me dit. Mais pour ça, voilà, il y a un choix à faire. Hein. On me dit de faire une coupe, tu vois. Il y a un choix à faire. Tu as le 2 de bâton ici. Hein. C'est où tu prends un chemin ou tu vas choisir un autre chemin. Donc, pareil, toujours pareil. Ou tu restes dans ton ancien boulot ou tu vas vers ta nouvelle mission d'âme, d'accord. Ou alors, tu restes dans ton couple actuel ou seul comme tu es et que tu es tranquille tout seul. Ou alors, tu vas vers l'amour. Voilà, tu fais ce que tu veux. Maintenant, moi, je t'ai transmis le message et tu prends ce qui t'appartient, ce qui résonne en toi. Si ça ne résonne pas en toi, ce n'est pas grave. C'est que ce message n'était pas là pour toi. D'accord? En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je sens qu'on va se régaler avec ces nouveaux oracles tarot. N'oubliez pas que vous pouvez les trouver sur la boutique Mataes. Vous avez 10% de réduction sur toute la boutique. On la remercie énormément pour ça. Et franchement, faites-vous plaisir parce que vous verrez que vous ne serez pas déçus de votre colis. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à y aller, à commander des magnifiques cadeaux pour Noël. Il y a de tout, vraiment. Vous trouverez forcément votre bonheur pour offrir et pour vous offrir à vous aussi. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous.